Les jeunes talents français à suivre de près sont chaque semaine dans le Visioclip, un sondage grandeur nature et un test qui fait frémir d'avance nos jeunes artistes. Au programme, un clip futuriste offert par le duo électro-français qui cartonne aux quatre coins du globe, Justice. Mais également un peu de soleil avec l'eau. Petite mamie. Allez, on enchaîne, changement de registre radical, place à la douceur de l'eau et leur trait rafraîchissant, le soleil, etc. Par mauvais temps, le soleil est là, elle fait des la. Pas désagréable à entendre. Bah, elle est jolie, elle est agréable à regarder. C'est ce qu'on chante entre amis, quoi. Je vais lui faire un truc un peu petit déjeuner, pas agressif, et c'est bien. Enfin, c'est réussi. J'aime bien le pop, mais ça doit être produit, et ça, c'est pas. Il n'y a pas tellement de derrière sa voix, et sa voix, ça fait pas grand chose, quoi. Le soleil, etc. Un clip naturellement tourné dans un petit coin de paradis sur une île. Oui, mais laquelle? L'île Maurice? Haïti? L'île Maurice. Ça, c'est la Réunion. Ouais, Réunion. La Réunion. Bien vu, c'est la Réunion. D'ailleurs, à un moment dans le clip, cette chanteuse passe sur une pierre et change de tenue comme par magie. Si ça vous arrivait, quelle serait votre tenue de rêve? La tenue de mes rêves, je dirais. Ce serait. La tenue de Borat. Je sais pas si vous voyez, c'est une espèce d'une pièce très léger, avec pas beaucoup de tissu. Un grand peau d'ours polaire, quoi. J'aurais bien me choper un super costard, moi. C'est comme Justin Timberlake, un peu, tu vois. Là-bas, ouais, je veux bien m'habiller en short avec un collier autour du cou, hein, y a pas de problème. Hein. Puis avec elle, sans problème. Mais bon. La tenue de mes rêves, futuriste, robot, en mode. J'ai plein de néons sur moi. Oui, enfin, pas sûr que vous puissiez trouver ça dans le commerce. Hein. Mais là, c'est le moment de résumer votre avis en un mot. Coloré, exotisme, canne à sucre, léger, chicorée, presque. Eh bien, on peut dire que vous n'êtes jamais avare de bons mots. Prochains artistes passés sur le grill dès la semaine prochaine.